Thank you, Mr. Speaker. On February 18th, 1943, Squadron Leader Alfred Brenner of Toronto was flying off the coast of the Netherlands when he and his crew spotted an enemy convoy consisting of 5 destroyers. Rather than peeling away and calling for reinforcements, Squadron Leader Brenner attacked low over the waves, dropping a torpedo that successfully hit a 5,000-ton enemy vessel. Facing heavy fire, their plane was shot down, but not before they sent an SOS. Alone in dangerous waters, with a life raft and few resources, Alfred and his crew sent another call for rescue by sending a messenger pigeon that they had taken from their aircraft. After 2 long days at sea, Allied forces picked them up in a daring rescue mission. For his bravery, Squadron Leader Brenner received Britain's Distinguished Flying Cross. In the face of danger, Alfred and his crew chose to be brave. They chose to put their own lives on the line for the greater good. It's no wonder his citation reads, "This officer has displayed the greatest keenness and devotion to duty." En ce début de la semaine des vétérans, nous nous souvenons des héros comme le commandant d'aviation Brenner, dont les actions reflètent le courage et de tant de femmes et d'hommes en uniforme. Nous rendons hommage à tous ceux et celles qui ont risqué leur vie pour notre liberté, incluant les 8 courageux membres des Forces armées canadiennes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions cette année. Nous honorons leur mémoire et jamais nous ne les oublierons. Monsieur le Président, à l'occasion du 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous reconnaissons la chance que nous avons de vivre dans un pays comme le nôtre grâce aux sacrifices, aux services et à la ténacité des gens qui ont vécu cette terrible guerre. Ils ont enduré la perte de frères, de sœurs et d'amis, mais malgré tout, ils ont trouvé de l'espoir et de la compassion les uns dans les autres. Au cours des décennies, ils ont continué de paver le chemin pour bâtir un monde meilleur et pour servir le bien commun. Et c'est ce même sens du devoir et du sacrifice qui a aussi conduit nos forces armées à participer à de multiples missions de maintien de la paix, notamment en Corée et en Afghanistan. Quand nous avons besoin d'eux, nos femmes et nos hommes en uniforme sont toujours prêts à se porter au secours des autres. Récemment, ils ont fait preuve d'altruisme en protégeant et en aidant nos citoyens les plus vulnérables, nos personnes âgées, dans les établissements de soins de longue durée. Monsieur le Président, leurs gestes et leur dévouement à l'égard des valeurs canadiennes sont le reflet de ce que nous avons de meilleur à offrir. Our veterans served Canada with honor and valor right across this country and all around the world. They stepped up for us, and now it's time for us to do the same for them. We don't need to wonder how we will rise to the moment, because we need only look around Canada to see the answer. We see it in young people getting groceries for older veterans to keep them safe. We see it in frontline workers who, after hours of standing on tired feet, never give up as they care for our parents and grandparents, the last members of the greatest generation. We've seen it in the crew of the HMCS Fredericton and the members of the Snowbirds, brave women and men who, even after tragedy, continued to show us what service and sacrifice means. En cette semaine des vétérans, pensons à ceux qui ont servi avec honneur et courage. Laissons-nous inspirer par les idéaux qu'ils avaient à cœur et contribuons tous, ensemble, à bâtir avec eux un monde meilleur. Merci, Monsieur le Président.